Question pour un jeune champion. Cette scène se passe dans un studio de télévision. Le candidat s'appelle Benjamin. Il n'a que 10 ans. Il a un peu de trac car c'est la première fois qu'il participe à un jeu télévisé. Il s'avance, le cœur battant, vers le plateau où l'émission va être enregistrée. Le voilà. Face à la caméra, le jeu commence. Le présentateur, bonjour Benjamin, es-tu prêt? Benjamin, oui? Le présentateur, Benjamin, un candidat, cyber Talvazi, هيك هو بنجامان، اسمه بنجامان باش يعمل مسابقة تلفزية. ايه لو بريزونتاتور بروميير كيستيون، كيل اي لو بيي دو مغرب كي اي 4 فوا بلو غران كو لا فرانس؟ بنجامان، الجيري. سو بيي اي سيتوي انتر لو ماروك اي لا تونيزي، سا كابيتال اي الجي. Le présentateur, c'est exact. Question suivante. Qui a inventé le cinéma? Benjamin, c'est lui, Lumière, et son frère Auguste. Ils ont inventé le cinéma en 1895. Ils ont tourné de nombreux films muets. Ils ont aussi inventé le premier procédé de la photographie en couleur. Le présentateur, très étonné. Bonne réponse, bravo. Benjamin réussit à répondre à toutes les questions du présentateur. Le public présent dans le studio applaudit le jeune champion, d'après Claude Clément. Muet, qui ne parle pas. Le trac, la peur qu'on a quand on doit faire quelque chose devant le public. Le studio de télévision, c'est l'endroit où l'on enregistre des émissions. Aussi la studio radio. Comment est Benjamin avant le début de l'émission? Pourquoi le présentateur Mokadam Talvza est-il très étonné? J'imagine une autre question que le présentateur peut poser à Benjamin. Un peu, beaucoup. Qui a marché sur la lune? والله بيدي ما زرت تكتب إليا لو تراك انا جاوب هذه كل كتبت مي شفت كتبت مي يا عبد الرحمن قوم قع ارقد فوق هاني عندك مخده ارقد فوق الجرية خير شبيك تحب تقعد كنا كيكة يا عبد الرحمن قوم فوق الزربية يا ما قوم اقعد بالباهي نعطيك فروماجيتك اللي عطتهم لك تاع عواطف لشكون انا ما ناكلش فروماج كول انتي الفروماج تو ما تحبش بيك خليك تجوعي Ben, je retrouve les mots comme complet à partir de l'abréviation. كليت الكسكسي نتاع عواطف بالحوت كملتوشي كملوا عاد لا تيلي اون اوتو اون فوتو جو شيرش لو بلو مو بوسيبل لو بلو دو مو بوسيبل كومونسون بار تيلي بارا فوتو مشيت جبت عظيمة عربي من عندها عظيمة عربي من عند تاتك عواطف البارح ماك جبت عظيمة عربي بنينة عظيمة من عند الدجاجة اليوم ما باضتش
Charade, mon premier est le premier syllabe du mot camarade. Mon second est un lieu où vivent les poissons. Mon troisième est le premier est la première lettre de l'alphabet. Mon tout est un appareil pour faire des films. Je lis les mots de cadre, du cadre et je nomme les parties numérosées, numérotées de l'ordinateur, le CD-ROOM, la disquette, l'écran, le clavier, la souris, le lecteur de disquette, le disque dur, les enceintes, le lecteur de CD, lecteur de CD. شعملك زيت شنو عطاتك قصيت ولا اللي في الحق المزروع في الجردة في الحديقة شوية سلق قصتهولك من الحديقة يا عبد الرحمن السلق قصتهولك من الحديقة عملتوها انت عمها شنو زرعة اخر كان سلق عندها جاي جيت وسلق وجو وحوت من بحره من سيدي منصور ديريكت بنا بنا من البحر كسكسي كسكس بنا على بنا وطرف وطرف حليب بقري من البقرة من البقرة ديريكت مباشرة الحمد لله الشكر الحمد لله يا ربي هاي La télévision, le poste récepteur ou le téléviseur. Dans certains téléviseurs, il y a un endroit où l'on place une cassette vidéo. Cela s'appelle un longement. La télécommande sert à allumer et à éteindre le poste. Elle sert aussi à changer de chaîne. À la télévision, on passe des émissions. Des films documentaires, des jeux télévisés, des variétés, chansons, danses, spectacles, des informations, le météo, des dessins animés. Quelles sont les autres émissions que tu connais? Quelle est celle que tu préfères? Pourquoi? Complète cette page par un dossier sur la télévision.